Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Casseroles de Binta. J'espère que vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Sinon, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de ravioli au bœuf. Pour les faire, j'ai utilisé 400 g de viande hachée de bœuf, 2 carottes, un oignon, du poivron rouge, vous pouvez utiliser vert ou jaune, de l'oignon vert, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 300 g de farine T45, 100 g de semoule fine, 3 œufs, du poivre et du sel pour l'assaisonnement. Pour la préparation, nous allons commencer par la pâte. Dans un bol, mettez la semoule fine, mettez la farine, mélangez un peu, rajoutez du sel, mettre les œufs et mélangez le tout. Rajoutez un peu d'huile d'olive et bien mélanger pour que ça soit homogène. Donc la pâte est à présent finie. Filmez-la et laissez au repos pendant minimum 30 minutes. En attendant les 30 minutes, nous allons faire la farce. Dans un mixeur, mettez la carotte, l'oignon, l'oignon vert, le poivron et l'ail. Rajoutez un peu de sel et mixez le tout. Vous aurez une mixture comme ça et vous rajoutez un peu de poivre. Et donc là, nous allons passer à la cuisson. Dans une poêle, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et une fois celle-ci chaude, mettez la viande hachée. Rajoutez du sel et laissez cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, vous rajoutez la mixture, bien mélanger, puis laissez cuire pendant 15 minutes. Donc voilà la farce prête. Mais je vais donner un coup de mixeur pour avoir une texture plus facile à mouler. Donc voilà la texture qu'on doit avoir pour un moulage facile. Maintenant que nous avons la farce et la pâte prête, nous allons passer au moulage. Sur le plan de travail fariné, mettez la pâte et l'étalez à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Étalez bien la pâte et bien la couper pour avoir la taille qui entre dans la machine. Si vous n'avez pas la machine, vous pouvez quand même faire votre ravioli en utilisant uniquement le rouleau à pâtisserie. Il faudra juste bien affiner la pâte. Donc sur la pâte fine, mettez une couche d'eau pour faciliter la fermeture des raviolis. Ensuite, déposez la farce de manière espacée. Vous fermez avec une autre couche de pâte fine, bien collée entre les farces et les séparer pour avoir vos raviolis. Vous pouvez faire d'autres formes de raviolis selon vos goûts et vos envies. Et donc voilà, les raviolis tout prêts. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!